Salut, c'est Andy, et aujourd'hui, nous répétons avec la Trio Plus de Digitech. Cette version améliorée de la désormais classique pédale Trio est le nouveau standard en matière d'outils d'entraînement, et ce grâce aux suggestions des utilisateurs eux-mêmes. La nouvelle Trio Plus dispose d'une fonction de looper avec des convertisseurs analogiques numériques haute qualité et des superpositions de boucles illimitées pour une durée de 230 secondes. Le plus, toutes les chansons, boucles et pistes jouées créées par la Trio Plus peuvent être sauvegardées sur une carte micro SD pour une mémorisation facile des idées et des sons. Plusieurs nouveaux genres sont désormais présents sur la Trio Plus. Retrouvez le tant attendu genre metal ainsi que le genre pop électronique. Une autre nouveauté apportée par les retours des clients est un sélecteur de basse simplifié. Il y a maintenant trois types de lignes de basse différentes, qui vont du style mélodique d'origine jusqu'à un mode de note fondamental simplifié. La Trio Plus vous offre également 5 parties pour chaque chanson, qui peuvent être séquencées dans n'importe quel ordre et avoir leur programme d'intensité. Tout comme l'original, la Trio Plus Digitech possède des fonctions étendues, comprenant de nombreux modes pour la pédale FS3X, des niveaux de volume séparés pour le looper, la ligne de basse et la batterie, ainsi que plusieurs sorties pour les configurations avec casque, mixeur ou ampli. Vous avez vu comme il est facile de commencer à jammer avec la Trio Plus, alors continuez en enseignant au groupe la nouvelle progression d'accords, et ensuite je vous montrerai une grande variété de styles et de genres disponibles sur la Trio Plus. Allons plus loin avec la pédale et créons quelques parties de chansons. N'oubliez pas que vous pouvez sauvegarder ces parties sur une carte micro SD et les rappeler à tout moment pour une utilisation en direct. Deuxième partie, je lui ai donné une sensation différente en changeant complètement le genre. Et pour que tout reste en rythme, j'ai fait décompter le batteur. Maintenant, avec mes trois parties, je peux choisir la fonction de séquence et les jouer, ou donner une touche plus live et utiliser l'interrupteur pour mettre les parties en file d'attente quand je le souhaite.
voilà pour ce tour d'horizon sur la Trio Plus, un simulateur de groupe et un looper très puissant. Vous pouvez découvrir toutes ses fonctionnalités sur digitech.com. Merci pour votre attention.